Salam alaikum, voilà, man mangi tuddou Noah Diatta, deké ci commune Kafountine. Voilà, ñu ngi leen di bëggone présenter tol bi. Tol bi mi ngi tuddou la ferme agricole de Diamanikoutra. Voilà, moy benen association bu fi nekk ci biir gox bi, mi yëngatu ci secteur hippérique. Voilà, soyez les bienvenus. Merci. Voilà. C'est la ferme. On fait aussi la permaculture, et pas mal d'arbres fruitiers comme les bananes, les oranges. Et puis voilà. Ça fait l'occasion, hein, ce nouveau partenaire est magnifique, Eva Mouk. Voilà. Mingi Sogagno. Mingi ni. Aussi, on a invité l'association Diamanikoutra. C'est des jeunes de la commune. Moi, je préfère essayer hors sol. Voilà, ça c'est du concombre. Compostage, c'est à partir des herbes. Mon ekni. Je veux exploiter. Voilà. La faillite. Parce que je sais que même si je suis un peu plus grand, je vais avoir un espace simple. Je vais faire pour sa propre consommation. Voilà. C'est facile. Li mëna jëlé à peu près chaque matin 2 arrosoirs pour lepp toyal parce que bo xolé résultat yi commencé na ki ben concombre ngi ni ça fait même pas 4 semaines voilà légui ni mën nga ko utiliser pendant 2 saisons voilà même chez toi lajul espace pour eux et puis tamit fi bo récolter ça peut te donner des revenus parce que kilo concombre jar amna prix quoi voilà bu amul prix sax mën nga ko jaay be 600 ou 1000 francs voilà salam alaykoum ende nek bi paré na ok ñi xalé jigen Diamanikoutra ñi ñoy ro walum defar nek bi Ndek bi tay ma fa jaar de yow ya fi jaar ba gaay commencé nañ ndek defal len gaay ndek bi paré ñu xaar ba ci kanam ok kon soorale len bu len ma faté voilà bi moy yamb bi bi ok prototype la buñ défarone parce que riche la yamb bi mën nañ dëkk ci abdomen bi riche la c'est fait en ciment Kafountine ñu bëri xamé won nañ ko bor wet black fofu la néwon mais légui mi ngi fi ci tol bi voilà puis sama benen way momako defarol benen artisan bu xarañ momako defarol bo xolé da ngay fokk ki la mais fi la nawet mais deful dara ça fait 2 ans de cela mi ngi ni pour dire aussi Diamanikoutra ñu ngi ci apiculture ñu ngi ci apiculture bi bu baax baax waaw man moy sama volet bi nga xamné né mom la nit ñi xamé quoi apiculture agriculture bi ak aviculture bi voilà ok on est dans l'autre côté yan paré ngén sol sama mbousi voilà da ngén di xar kélé voilà mën ngén ndéki bé paré hein voilà ñi tamé ñom ñoma nek di solal les sachets plastiques pour la plantation directe faire des pépinières wa mo nek ni une fois buñu solé ni dañuy jël pépinière bi nga xamné né matna du yag mu mat jëmbat ñu répliquer fi pour ñu mëna gagner du temps voilà parce que comme exemple disons nena mën nañ ko fi def bému tiyé comme bi plantation bu bess la pour 2 semaines
nga replanter ko fiñ ko bëgg a def pour gagner du temps quoi, parce que naaj bi fan yi day tàng. Boo ko replanter ba pare espace bi bu rëyee pour nga retrapper si da ngay am mortalité yu bëri. Mais boo ko defee nii mu tiyee si gène bi boobu boo ko wàccee même un demi hectare du def dara quoi. Voilà moo ñu joxoon idée bi quoi. Voilà c'est un peu ça. De l'autre côté il y a mon atelier apicole. Ça c'est mon profession et ça c'est mon métier bi nga xam ne ne moom laa gën fartal quoi, mooy yam bi. Voilà la production de miel c'est ça, parce que là on fait tout, c'est un rucher école quoi. On est dans l'apiculture, dans l'agriculture, dans la transformation, parce que am nañ unité buñ tabax bi nga xam ne ne mi ngi fi. Cette année on a voulu démarrer avec la transformation fruits et légumes et les sirops aussi, parce que xool nañu am na lu bëri li nga xam ne ne mi ngi ci tool bi fii. Des fois on a du mal à l'écouler ou bien di nga ko écouler parce que da nga bëggoo mu yàqu si say loxo. Voilà mais une fois buñ démarrer la transformation au moins on peut valoriser certains produits, dañ ko bazarder. Parce que boo xoolee daaw on avait fait suñu orange yi newoon nañ fi, on n'a pas pu transformer ça, on n'a pu bazarder ça au Banabana, tu as vu, et puis c'est pas normal. Voilà et les tomates aussi c'était pareil. Voilà moo tax ren bëgg nañu démarrer la transformation pour ñu mën a xëyna am ay revenus importants lu ko jar quoi. Voilà merci. Ok ça aussi c'est pareil hein. Parce que avant on avait du mal à démarrer. Maintenant lii daf may gagner loo temps, parce que boo xoolee lii boo ko wàccee si espace bu important dafa laaj bés bu nekk nga teew. Mais fii boo ko defee nii nga may ko départ, une fois da ngay ñëw rek nga xar mbuus bi, parce que si suuf ah si suuf c' est du compost moo fa nekk. Boo xoolee suuf bi suuf bu naturel la, compost la bi nga xam ne daaw lañ ko defoon, amul benn produit chimique. Boo ko fa defoon boo ko replanté rek 3 semaines tu peux la récolter, c' est plus facile. Parce que agriculture bi tey dafa laaj xalaatat, parce que changement climatique bi mu ngi joué bu baax a baax. Parce que une fois boo béyee boo jiwee dara rek danga boo si sottee ndox balaa ngoon da ngay foog arrosé wu. Mais il faut ñu retravailler encore voir quelles sont les solutions buy tax suñu gàncax yi mën a doyal ndox pour mën a réussir suñu agriculture. Loolu moo ñu pousse ci outil les sachets plastiques yi nga xam ne ne ñu ngi un peu partout dans la commune. Te tamit loolu war nañ ci jóg xalaat ci lan mooy solution bi, parce que foo gestu sachet plastique la. Moo tax dama xalaat pourquoi pas balaa may dem jënd ay yeneen sachet, pourquoi pas ne pas utiliser ça, xëy naa moignee ko ci mbedd bi. Parce que lii si terrain de foot bi laa ko kii 4 saako laa fa for te tey xaaju fa. Voilà il faut ñu revoir encore sachet plastique yi lan mooy nu ñuy def pour mu bañ a tilmal dëkk bi quoi. Ok voilà fii c' est parce que ñun tool bi y a côté social ak côté bi nga xam ne ne projet bi ci boppam moo ci yëngatu, mooy côté bu ñu tàmbaleoon jamanikuta ci boppam mooy yëngatu côté boobu. C' est sur 1,5 hectare. Voilà mooy béy côté boobu pour mun a am lu muy yokk ci comptom pour mun a am lu muy jàpp ñu ñuy jàppale. Voilà côté bi c' est aussi 1,5 hectare bi nga xam ne ne dañ koo bàyyi jigéen yi fi nekk, jigéen commune bi. Am na ñu bëri ñi nga xam ne fii la ñuy liggéeyee, dañ leen jox comme par exemple boo ñëwee am na jigéen bu fi nekk. Monsieur le président bu ñu tënk maa bu ñu tuddee Brave de Fang bu ñu ko tax. Naata nga commencé le taar mbar moom bi naata maa jëm na ke wàllum ñu ngi wala bee ñaata ja le fen fen kele tolle kaa fu ñaa laa kete nga laa kete waaw yaa lu fanaa lu ne sa moo la koo kam bi woon fanaa lu jaay yi la bi fen tur naa commencé le taar mool bi naa ko ne et pépinière ko taar ba man dong waaw far far nte naa commencé jaay ñu tamaate ndi ani njena oignon do man di ñaa to sa kay ni président bi taa la jëlaa 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 jëlaa. Ok fii de l'autre côté aussi on a les jeunes
ñi nga xamné ñëwoon nañu tamit parce qu'on est en collaboration avec l'association Diamani Kouta, benen c'est des jeunes de la commune de Kafountine partout même qui ont formé une association pour tuddé sen bop Diamani Kouta wala baptiser len jël tour Diamani Kouta motax c'est un plaisir pour nous ñu liggéey ak ñom parce que gis nañu c'est des jeunes yi nga xamné né sen idée bi concept bi baxna aussi c'est des jeunes yi nga xamné né buñu sen concept bi baax concept bi nga xamné né baxna ci avenir Kafountine voilà parce que c'est des tay c'est très rare ngay gis ay jeunes yu engagé wu di jël sen propre initiative pour né dañuy liggéey dañuy jog liggéey commune bi surtout ci moment bi nga xamné né ñu ngi gis jeunes yi bari ñu ngi jël gaal yi di dem un peu partout motax ay jeunes yi nga xamné dañoo jara remercier té dañoo jara soutenir motax ñun haaruñu kenn dañ leen né ñew leen ñu liggéey ñu xol yan concept lañuy def ensemble pour ñepp ci ci seen bop motax parce que fi toll bi chaque année dañ daan jël ay nit ñukay défricher ñu leen di fay certaines sommes je dis pourquoi pas bala ñukay joxé ñoñu non pourquoi pas ne pas soutenir ça avec les jeunes de l'association Diamani Kouta pour ñam départ voilà c'était ça mo taxon tay dañu ñewon jekali défricher bi parce que c'est sur 3 hectares voilà presque paré nañu fi mo nek ki bi bou ki bi voilà fi on a deux châteaux et 3 forages parce que bi mo nek buñu baye pour jigéni parce que avant on travaillait dans le même forage way gis nañu ndox bi duñu doy bi pour jigéni la gaay yam ay yamb ñoo leen laal quoi mais bi pour jigéni la ñun suñu boss mi ngi de l'autre côté voilà bi ñom yeb buñu ñëw ci bi lañuy liggéey da ngay gis ndox bi doy leen quoi voilà ok comme numa ko waxé voilà yalla def na ni équipe baangi fi voilà c'était imprévu mais ñu ngi ni ki moy Eva moy xedna ni Kafountine ñu bari xamé nañ ko moy partenaire bu mag bi bu Kafountine voilà ni ngeen di déggé Diamani Kouta depuis tant d'années mom la voilà xena ginaaw écran bi avant tout d'abord dinañ ko joxé na cadeau bi ki moy Lamine Souane mom tamé yag na ci équipe bi depuis le début mom tamé mi ngi fi gaay yu bari xamé nañ ko voilà ki mom tamé xena wa Kafountine xam nañ ko moy Lamine Djaljali voilà xena bala tout d'abord Inoua ouais man may noir yep. voilà voilà les avant tout d'abord xena dina jox cadeau bi Lamine Diata après Lamine Souane wax Eva tej cadeau bi je me présente Lamine Souane membre de Diamani Kouta vice président di rafetlu lool dañ xew ci Top TV tay war ci sama point de vue ci doxalin bi ci liggéey bi mu tollu ni ak ni muy doxalee ni ok Lamine ñu gis ni que Diamani Kouta gis nañ ko ci domaine bari bala ci volley bari fi Kafountine ci dañ ñu ci domaine bari fi ni ko mais mu bëggoon nga expliquer moi juste un peu taxawaayu Diamani Kouta ci commune Kafountine parce que mo ñu intéressé pour le temps on a dene pati lewi fenen ne fi mo ñu intéressé mo bëggoon ñu reguni ma ëpp ci seen taxaway fi seen mebeut yi nga xamanteni ñu koy def ñun daal diko Diamani Kouta base bi fi la Kafountine lañ ko fondé yagna torop sa suñu liggéey daal moy manam dans le social quoi une œuvre dans le social pour jappalé jeunesse bi suñu mamay jëma xol ni changer éducation bi danaka dal appuyer kep ki nga xamantene am nga li nga xamantene entreprise wala soit li nga bëgg def pour jëmal tamet commune bi ci kanam lool moy suñu objectif
ñu ngi ci domaine yépp danaka ci danaka bi yépp sax bëgg nañ def lepp bëgg nañ nek ci domaine yépp mo taxit tamit ñu ngi ñaan sen collaboration yeen tamit ñen mën ñuy couvrir mëna doxa di gën ñoo promote ci lu ñuy liggéey té ñu ngi ñaan tamit mu gëna jëm kanam comme ni ko waxé ni yamul ci centre ndax tawon nañ ci école té ya xam nañ ni école bi mu ngi dem ci kanam école maternelle de Kafountou ni tol bi mom danaka yag na bokku na ci projet yi ñek taxaw ci association jamani kouta bi plus comme man en personne man mang ci centre bi di œuvre ci culture lepp luy culture danse théâtre musique traditionnellement moderne lepp ñu ngi ci té ñu wacc tamit ci bis ñu studio jamani kouta fofu yow na la certi parce que inshallah saway mom waro nak set bu yag affaire de retard fa mo commencer ci école maternelle bi wa yeu ci par ngeen yëm ci tamit donc mo yow nal set yow ñu gëna yaatal inshallah ñu gëna yaatal di waxat tamit ñu ngi am ay chambre ñu lié fofu pour gani du gannu kessé ci bop mais tamit mën nañ am ay partenaire du wara joggé fenen partenaire jamani koutay soit partenaire commune bi tamit yoy yep ay collaboration lañ parce que ñu ngi lié ak président ñu ngi lié tamit ci ak mairie bi je pense que voilà, voilà, c'est pour rebondir encore sur l'ami Lumu Djogewa. Voilà, moi, je suis responsable parce que Jamani Kouta, d'un coup, j'ai un patch, plusieurs patchs. Voilà, moi, je suis en train de faire des liens pour faire une promotion. Voilà, une promotion qui est importante. Parce que cette année, normalement, on va nous lancer qui côté. Activité yu mu jogé renommé légué voilà xeyna on va donner un peu la parole à Eva si vous avez quelques mots à dire aux Kafountounois sont là oui. Voilà moi je suis Eva et je suis aussi un membre de Jamani Kouta mais je travaille en Autriche je fais le mieux que je peux faire pour le développement pour les jeunes pour les femmes pour les projets et ici à Kafountou avec le team ici. Oui. C'est ça. C'est bon. Muy ba. Okay.